Les amis, de retour avec Laurent. Bah lui, je ne vous présente pas, vous le connaissez, c'est le coéquipier. Laurent va nous amener dans un endroit, parce que tu fais du paranormal maintenant, enquêteur, oui. Enquêteur paranormal. Il a acheté un K2. K2. Il a acheté un K2 et on va voir une baraque abandonnée. Que nous on connaissait, mais qu'on n'a jamais rentré dedans, hein. Et toi tu as dit il se passe des choses bizarres là-dedans. Oui. Bon ben on y a été, parce qu'on a déjà fait de la vidéo, hein, on y a déjà été. Effectivement il se passe des trucs vraiment chelous là-dedans, vraiment, hein. Ouais, dans les bois en plus. Voilà. Donc et en plus elle est vraiment dans les bois et tout. Dans les bois, ouais. Mais la baraque on la connaissait déjà avant, mais on n'est jamais rentré dedans. On n'a jamais fait de vidéo dedans, c'est la première. Et toi tu m'as dit non il se passe des trucs bizarres là-dedans. Et on a essayé, comme il y a du matériel, bah du coup, bah on l'a fait. Il y a une voiture qui arrive, je laisse passer. Non, mais non, mais elle voit le matériel. Ah, t'es... Pas que ça sert, attention. Bah, il voit. Il voit le projecteur, il voit. Non, mais le projecteur est vers nous, il n'est pas vers nous. Oui, mais il voit quand même, hein. Quand on... Bon, bref. La voiture, elle est passée, ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? On fait un coucou à tout le monde, vous voyez. J'ai eu un putain de déménagement, un machin de fou, pendant 3 semaines presque, que je passe trop chez moi, que je devais m'occuper de mon petit-fils. Du coup, on n'a rien pu faire. Et là, ça y est, les vidéos, c'est reparti. Voilà, c'est reparti. Demain, bah demain, elle sort. Demain, on est vendredi. Et puis dimanche soir, si on a le temps, ou dans la semaine, on reprend une vidéo pour le lundi. Voilà. Voilà, parce qu'on entend des autres points et tout. Et toi, si tu veux venir. Moi, il n'y a pas de souci, vous me dites. On fait comme on fait là. Oui. Tu viens chez moi, je t'appelle. Oui. Tu vas chez moi. Et puis, voilà. Donc, voilà, maintenant, on a à droit avec un spécialiste du paranormal. Non, mais c'est vrai que c'est un truc un peu spécial. Bon, je ne vous raconte pas tout. Regardez la vidéo, vous allez voir. Allez! On fait un bouli. On n'a pas appelé le bouli, hein. Non, mais pas là. Bon allez, bye bye à tout le monde, Nathalie, bouli et toute la clique et tous les abonnés. Et merci aux nouvelles abonnés qui sont venus, parce que j'en ai perdu 30. Ouais. Et il y en a combien qui sont revenus? 7, je crois. 7, 8 qui sont revenus, donc ça va. Donc on va remettre du contenu comme avant. Voilà, on fait un bisou. Ciao, ciao, à plus les gars. Je prends moi. Ouais, prends-le avec toi. Vas-y, comme ça tu. T'as vu, il y a un truc des mauvais esprits. Ouais. Parce qu'on va faire un. Pour la première fois dans notre vidéo, on va vous expliquer tout à l'heure. On a un K2 là qui va nous permettre de voir s'il y a des esprits ou pas. On est dans un bois, on est complètement perdu. Ouais. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Laurent, et c'est Charles qui est derrière la caméra. Enfin, on en reparlera plus tard, oui. Quand on fera l'introduction. Bon, on va y aller. Ouais. Vas-y. Bon, le K2, il bouge pas. Hein. Merci Laurent. Je ne filme pas la caméra, hein, Charles. Non. Je filme par terre, mais pas la caméra. Et ça pue, hein. Et Charles, il y a une odeur bizarre. Ouais, ça pue, hein. Les autres, ils sont... Je ne sais pas. Regardez la baraque. Il y a de la fumée qui sort là-dedans. Non ?
C'est quoi la fumée? Je sais pas. Je crois qu'il y a de la fumée. Non, tu vois pas, Charles? Ah si, on dirait un peu, hein. Oh, mais c'est quoi? Ah, c'est une maison carrément les bois, là. Ouais, carrément. Et le machin, il reste ouvert pour le moment. Hein. Ouais, il reste ouvert, ouais. Ouais. C'est bizarre, je ne vois pas. Non, non, non. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi ça? Tu vois la fumée, Charles? Ouais. Waouh, c'est quoi? Comment ça, c'est la fumée? Je sais pas. Il y a quelle couleur de... Waouh, mais regardez. Non. Oh la fumée, moi. On va pas la mettre. On voit rien du tout. Je rentre? Ouais. Attention, il y a une marche, Eric. Ah ouais. Bah, le truc, il dit rien. Il dit rien? Non. Il s'en bouge pas. Oh la vache. Ça fait, c'est bizarre la fumée là. Regarde, tu vois, le truc il dit rien. Ouais. Il est dans le verre, ouais. Oui, il reste dans le verre, donc il n'y a pas de risque. Mais c'est quoi ici? La fumée qui est. On voit rien. Mais on voit rien. Ouais, je viens. Putain, on voit rien, non? On voit une tour. Putain, j'ai... Putain, la fumée, hein? L'appareil est toujours ouvert. Hein? Il est toujours ouvert l'appareil. Comment ton appareil? Allez, l'appareil. Ouais, ouais, toujours ouvert. Allez, ça, ça. Tu vois ça. C'est bizarre, hein? C'est juste, non? Non. Ouais, mais t'as pu dire, l'appareil. Regardez, le tout est ouvert, hein? Y'a rien de spécial. C'est bien, reste ouvert. Regardez, reste ouvert. Oh, il a cligoté. Ah ouais, ça y est. On le fait. Ça a clignoté. Ça a cligoté. Ouais. Ouais. Ah ouais. J'ai fait ça. Ça a clignoté. Je ne sais pas si tu as coupé. Si, si, je crois que j'ai fumé pour ça. Ça clignote un petit peu. Là, ça fume là. Dans ce coin-là, ça fume ici. Tiens, ça y est.
Regarde. Donc voilà, ça clignote. Ça clignote. Il y a quelque chose ici alors. Regarde, si ça clignote, ouais, je vais pas prendre, voir. C'est quoi, c'est du sang ou qu'est-ce que tu as sur le... C'est pas ce que c'est. Regarde, c'est quoi, du sang là ou quoi, pas mieux? Peut-être, je sais pas. Côté du sang. Ouais, peut-être. En tout cas, ça a clignoté de machin. Regarde, regarde. Ouais. Il est toujours au même endroit. Comme Charles, hein. Ouais, toujours au même endroit. Oui. Tu filmes, Charles? Ouais, je filme. Ça clignote, t'as vu? Regarde. Toujours au même endroit, c'est bizarre. Ouais, toi, ouais. Regarde un peu. Ouais, regarde. Oh, 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 oh,